pas encore vu la, la micro de parting à l'œuvre. On l'a pas encore sorti de soit de Blink Stalker, soit de War Prism. C'est vrai. Donc avec sa micro de Zimo. Mais alors je sais pas s'il va la sortir sur celui-là parce que c'est vrai que c'est plus commun contre Zerg. Mais ça pourrait envoyer du lourd. En tout cas, il y a toujours ou alors peut-être voilà un petit warp de Sentry puis on force feed la pente. Ça peut toujours être sympathique quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça c'est un move qui est toujours sympa à commenter. C'est donc reparti. Vous pouvez noter que Lucifron est en bas à droite de la map en Terran vert et qu'il est opposé à Parting de la team Startel qui est donc en haut à gauche de la map en Protoss bleu. Et c'est parti mon kiki. Et la map c'est la prairie. la prairie rocheuse. C'est Oana. Ils ont donné un nom de plage du débarquement à une map. C'est un trip. Ah ouais, exact. Putain, tu sais que j'avais pas percuté, mais c'est ah ouais, c'est grave. Oana. Mais ouais, t'as raison, Oana, c'est connu en plus. Ouais. Ouais, ouais. C'est connu. Il y a eu un peu de buzz dans les années 40, 46. Non, mais... Oh, oh petit casseur, ah, les enfants. Ouais. Alors là, Lucifron qui tente la double quenelle. Hein. Et c'est comme ça, c'est effectivement ce qu'avait marqué Kerr dans son article, c'est-à-dire que Lucifron, ah, c'est un petit filou. 12-14, ouais, elle fait mal hein, sur Protoss. Hein. Ouais. Elle fait si très attention, il va la scouter, va à droite. Tiens, c'est un excellent Protoss, va à droite. Ah. Bon, tu vas pas à droite, mais t'es comme un excellent Protoss. Surtout qu'il est à gauche, elle est à gauche, la gay étoile. Ouais, à droite pour le probe. Pour lui, il va à droite. Pour le probe. Priorité à droite. Ah ouais, pour t'es trop fort. T'es trop fort. Mais je le mets dans la psychologie du probe, tu vois. C'est un probe qui est là qui on voit ton côté acteur. Minerai. Tu te mets dans la peau du personnage, tout ça. Tu vois tout de suite la situation. Je m'incline. Du coup, on a donc la probe. Non, mais on savait bien que c'était pas Oana, c'était Oma, c'était une vanne. Ouais, c'est Anno, c'est sa culture. Les anciens légionnaires qui sont partis. Ah, il se dit là, ça sent la chaussette. Ah bah là, il y a un truc qui là, il se dit, il y a un truc chelou. Là, d'ailleurs, on voit là, le corps qui est parti, ce qui ne veut rien dire, mais j'aime bien réagir, dire des choses comme ça. Ouais. Genre, il connaît son sujet, ce garçon, c'est sûr. Il a beaucoup trop confiance en lui. Mais là, effectivement, il manque du bâtiment chez Lucifron. Donc là, Parting a forcément la puce à l'oreille. Il ne va probablement pas poser de deuxième base. Ouais, mais en fait, pourquoi c'est très intelligent de l'avoir planqué ces deux ranks? Parce que comme il part souvent CC first, il laisse l'impression à Parting, encore une fois, j'attends mes 400 de minerai pour. Alors qu'en fait, là, c'est deux ranks cachés, donc c'est vraiment très intelligemment pensé en termes de mind game. Et là, vous voyez, Parting, il vient de voir la pose de bunker, du coup, il envoie tout de suite de la gateway. Alors, est-ce que ton dieu Parting, il va s'en sortir là, mon poulet? Je suis pas sûr. J'appelle Kian quand j'en dis mon poulet, c'est ça, c'est pas la classe mon pote. Et le full screen pour voir ce qui se passe. Non mais attendez, vous allez voir. Ah oui. Et voilà, le colosse est en préparation, c'est parti, mais qui ment complètement. Magnifique, complètement train de le mothership qui va changer la game. Absolument, carrier, recherche, intercepteur. Et là, il n'y a qu'une stalker, seule gate. On est bien là, voilà, mets-lui bien, voilà. Ah là, c'est intéressant, il focus des Marines, c'est pas le worker, vous voyez qu'il a d'abord voulu faire back des Marines. Le worker qui est tombé. Voilà, on est dans le hit and run, on est complet, là on vise les Marines. Voilà, là, il est franchement, c'est un génie. Là, Parting, il joue bien. C'est non, il joue bien. Regardez il garde ça, son comment bouclier. Il gère. L'autre, son écho, il a plus d'écho. Il est à 23 sur 23. Ouais. Bon, il a de l'écho, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Non, il a plus d'écho, il a pas d'écho, le Terran. Il a ça, pas énormément bon. D'écho. Hein. Non, il a peu d'écho, en effet. Ouais. Il a 13 workers. Voilà, allez, rentre chez toi. Allez. Contre 17. Et ça va être pour le moment, Lucifron qui galère pas mal. Hein. Attends, on a 2 stalkers en préparation quand même, là, regarde. Hop, 4 stalkers, il y a plus rien. C'est vrai que vu comme ça en plus, ça fait une grosse pression. Et c'est quoi sur la minimap, ce qui se balade? Il n'y a plus de workers, il doit avoir quelques workers pour continuer à produire. Il continue du le work, ça, regarde, il prépare, il est déjà, tu vois, il est M plus 4, il est minute plus 4, il est déjà dans l'après du push. Voilà, ça c'est un génie, tu vois, il lit dans son personnage. C'est ça. Et il va falloir scouter les BCS, il va falloir les scouter, voilà, savoir que l'adversaire est en mode all-in, quoi, parce que. Ouais, mais Parting est bien là, parce que lui aussi il a ses probes et lui aussi peut les sortir. Il a vu les deux racks ici. Voilà. Oh, il a un coup à jouer, regardez, allez, sans les drones. Allez, voilà, sans les drones. Et là, il va se bouffer pas mal de drones gratuitement. Là, c'est déjà le 4e. C'était sans compter sur le génie de la micro. Allez, drones qui traversent. Ah, il est bien. Oh, ça compte. En bas, GG. Alors, Anos, toi qui m'as appelé mon poulet, qu'est-ce que t'as à dire sur la micro de ce magnifique Parting? Eh ben écoute, c'est très bien joué. C'est vraiment dommage de la part du joueur Terran parce qu'il s'est bien fait attraper. Mais je suis content qu'il ait gagné. Je vois que ça te rend heureux. Donc c'est cool. Parting qui donc remporte son premier match, ce qui fait qu'on va avoir pour le match des gagnants Parting contre MC.